Oui.
Laissez libre cours à l'esprit ce soir. J'ai besoin d'un chantre. J'ai besoin qu'on me joue une façon, d'une certaine manière. Bien aimé, la présence de Dieu est tellement grande et tellement forte pour libérer les choses. Waouh. Je veux voir quelqu'un qui est prêt à recevoir, quelqu'un qui est prêt à boire au torrent ce soir. Alléluia. La manière dont tu acclames, c'est comme si tu venais de te réveiller dans ton lit et que tu es maintenant content parce que tu as mangé. Alléluia. Je veux voir les gens qui ont goûté au mystère de Dieu. Alléluia. Je veux voir les gens qui ont palpé le mystère de Dieu ce soir. Alléluia. Parce que notre Dieu a déjà tout achevé. Amen. Et nous venons afin de nager dans la gloire de Dieu. Amen. Parce que les choses sont déjà accomplies. Les choses sont déjà accomplies. Papa, est-ce que tu ne peux pas... J'aimerais que tu te lèves, que tu montes. Les temps pour toi, tu as goûté au mystère de Dieu. Alléluia. Tu as palpé le mystère de Dieu. Monte. Parce que ce soir est un soir de libération des grâces. Un soir où le ciel a déjà reçu l'or. La terre a déjà reçu l'or. Tout ce que le ciel attend, c'est ta parole. Tout ce que le ciel attend, c'est ta voix, ta adoration, ta voix. Est-ce que tu peux monter dans la présence de Dieu? Oh, Shakababa. Adore Dieu, non pas parce que j'ai dit adore, mais je veux que les adorateurs que Dieu cherche pénètrent les lieux de la demeure de Dieu, non pas avec leur chair, mais Dieu veut faire des choses glorieuses ce soir. Ouh, glory. Alléluia. Oh, Shakamana Sakababa. Yeko Sakababa. Encore plus encore, que ta prière embrase le ciel ce soir. Le soleil de la justice est au rendez-vous. Le feu du Saint-Esprit.
l'esprit au rendez-vous. Alléluia. Bien-aimé. Alléluia. Oh chaka mama mama. Alléluia. 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 Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci cher Saint-Esprit. Madonne, mon saint. Merci cher Saint-Esprit. Recevoir le poids de la gloire de Dieu ce soir. Parce qu'il pèse en ce lieu. Spirit of the Lord. Wow. Wow. Si la musique peut arrêter un instant. Est-ce que on peut acclamer le Seigneur? Rien qu'acclamer le Seigneur. Ton petit ma boko. Ton petit ma boko. Ton petit l'inzambé ma boko. Ton petit ma boko pour l'inzambé. Ton petit l'imozal sinalikolo penase ma boko. Ton petit l'inzambé ma boko ma casse. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, ce soir, nous allons travailler avec les musiciens. Tous les musiciens montent. Je vais vous dire pourquoi. Dieu m'a instruit une chose ce soir. Et la chose qu'il m'a instruit voudrait que toi et moi nous puissions réaliser la chose qui est déjà accomplie en ces lieux. Je ne t'ai pas encore bien compris. Non seulement que tu réalises la chose que Dieu a déjà accomplie, le poids de la gloire que Dieu a déposé sur nous va appeler à l'existence toutes les choses qui étaient déjà annoncées. Ce soir, je suis venu dire ceci. À toi qui es là, à toi qui as pris le temps de bloquer les systèmes de Dieu dans la vie des hommes ce soir. Toi qui es venu t'amuser pour que rien ne se passe en ces lieux. Toi qui es venu combattre toute la nuit ce soir. Je viens t'annoncer la fin de ton histoire, de ton œuvre en ces lieux. Je ne blague pas, bien-aimé. Quand nous venons dans la présence de Dieu, c'est pour que les paroles de Dieu s'accomplissent dans la vie de son peuple. C'est pour que les choses que Dieu a déjà accomplies prennent forme dans la vie des hommes et des femmes. Mais toi, tu t'es levé, tu as osé entrer en ces lieux et tu es venu secouer pour troubler la paix. Je viens troubler ta paix ce soir. Tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Amen. Dieu a décidé de sortir une génération et une génération qui va marcher dans la gloire. Une génération qui doit posséder les choses avant que cela se matérialise. Une génération qui se lève
au nom de l'Éternel, afin de défier tous les plans du diable, partout que ça se trouve. Ce soir, je suis venu dire ceci. Dieu n'est pas distrait. Dieu est occupé à travailler. Et les choses qu'il est en train de faire sont déjà accomplies. Et c'est ce qu'il me dit ce soir, que je suis venu afin de rendre les choses telles qu'elles étaient au commencement, et que mon peuple qui va se lever, qui longtemps a pleuré et gémi, disant que l'Église n'a plus de miracles, il n'y a plus de signes, il n'y a plus la puissance de Dieu. Mais ce soir, Dieu me dit de te dire, la puissance est ici en permanence. Mais il attendait que toi tu te révèles, parce que c'est sur toi que cette puissance va opérer en scène. Il continue, il me dit, dis à mon église, le temps de bouleversement c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Je me lève afin de bouleverser les plans de l'ennemi dans cette nation. Et quand il me parle, il me dit de te dire, tu regardais les miracles qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Tu as regardé les miracles que les apôtres ont fait. Tu as posé la question de savoir où sont les miracles qu'on nous a enseignés. Où sont les miracles que l'on nous a enseignés. Mais je viens te dire ce soir, j'ai libéré la semence, celle qui contient la vie, afin de refaire vivre les choses qui étaient longtemps couvertes, pour que mon peuple se lève et défie toutes les forces de ce monde. Si tu le vois, dis alléluia. Et ce n'est pas fini. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce quoi ce message? Il dit, le temps est arrivé où les choses cachées ne se cacheront plus, parce que moi, Dieu, je me suis levé afin de juger les ennemis de mon peuple. J'ai dit, Seigneur, c'est bien, mais comment cela? Il dit, ma génération, celle que je viens de susciter, est une génération qui va se lever avec la nouvelle vision, celle qui marche avec les choses qui sont déjà achevées. Je viens te dire ce soir, les choses que Dieu va faire sont déjà achevées. Ce que je suis en train de dire, ce n'est qu'un match en différé, parce que les choses ont été conquis dans la prière la nuit. Et tout ce que nous allons vivre ici, c'est l'accomplissement de ce qui est déjà achevé. Amen. Bien-aimé, je vais te dire que le poids de la gloire qui est en ces lieux vient avec une force qui va prendre les miracles de l'Ancien Testament, les miracles des apôtres, et les accomplir dans l'Église aujourd'hui. Et je déclare que cette génération que tu es, cette génération que Dieu a traitée avec alliance ce soir, cette génération que Dieu lui-même a suscitée, Dieu te revêt d'un poids de gloire ce soir. Tu vas te sentir chargé lourd, parce que Dieu va commencer à détruire toutes les choses qui t'ont empêché à voler, et Dieu t'introduit dans le domaine de la gloire. Amen. Dieu dit, garde la foi. Ça veut dire, entre dans la présence de Dieu. Parce que la foi t'introduit dans le domaine de Dieu. Et le domaine de Dieu n'est pas limité. Et n'a pas de limite. Le domaine de Dieu est
intimité. Alors quand tu entres dans la présence de Dieu, lorsque tu as ta foi, la foi devient le canal qui te conduit dans la plénitude de Dieu. Et quand elle t'introduit dans la plénitude de Dieu, bien aimé, ton passé devient présent. Ton futur devient présent. Et tout ce que tu fais est dans le présent. Il n'y a rien qui est resté dans le passé ni dans le futur. Je viens proclamer le renouvellement de l'intelligence pour cette génération au nom de Jésus. Yes. Je viens dire à quelqu'un ceci. Musique, tu peux jouer à Soudi. Nous allons je sais que je ne vais pas prêcher normalement parce que Dieu est occupé à faire des choses ce soir. Et même quand il me parlait, j'étais dans un poids terrible. Bien-aimé, le Seigneur me montre ceci. Il dit, je vous ai donné le monde. Mais comment allez-vous aller conquérir le monde? J'ai suscité une génération. Comment va-t-il aller, conquérir le monde? Je connais ta difficulté, Église. Je connais ton problème. Mais le temps est arrivé où le miracle financier est libéré dans l'Église. Amen. Là où tu es, prends ton sac. Prends ton sac à main. Prends ton porte-monnaie. Ce soir, des choses vont être déclarées dans ces choses. Ce sac-là, Dieu ne te l'a pas donné en vain. Dieu l'a libéré pour qu'il possède de l'argent. Dieu l'a libéré pour que tu aies des marchés. Dieu t'a donné pour que tu ne manques de rien. Parce que quand tu entres dans le domaine de la foi, le temps n'a aucun pouvoir sur ta situation. Le temps ne peut pas interférer dans ta situation. Parce que seul Dieu te prendra en charge. Et les situations anciennes sont en train de trouver leur réponse aujourd'hui. Pas demain, mais aujourd'hui. Élève ton sac. Prends ton sac à main. Prends ton porte-monnaie. Parce que ce soir, les esprits méchants ont été envoyés dans les maisons des gens ce soir. Et vous savez là où ils étaient allés? Dans les sacs et dans les porte-monnaies. Alors Dieu me dit, je mets sur toi l'onction. Et cette onction va libérer la puissance financière, celle qui va toucher les sacs et les porte-monnaies. Parce que j'ai donné à mon peuple le monde. Si Dieu m'a donné le monde, et ce soir, il vient te donner les finances. Il vient te donner les millions que tu cherches. Il vient effacer les dettes que tu as. Si tu as les dettes, je déclare la cancellation des dettes. Ce soir, toutes les dettes que tu avais, Dieu les a effacées. Parce qu'il n'y a plus de condamnation sur toi. Dieu te condamne à vivre riche, libre et sans dette. Si tu le crois, dis je le reçois. Je le reçois. Je le reçois. Je le reçois. Maintenant adresse-toi à ton sac. Parle à ton sac. L'ennemi de nos âmes. L'ennemi de nos richesses. Ce soir il est en trouble. Alléluia. Je ne veux pas prêcher comme il pensait, mais je viens déclarer les choses que Dieu est en train d'accomplir. Fini la médiocrité. Fini la misère. Parce que la puissance, alléluia, de l'enrichissement, alléluia, est déployée, yes, dans la gloire, yes, sur son église. L'église. Au nom de Jésus.
Maintenant, regarde ton sac. Dans la sacoche, na yo. Ouvre ton sac. Forola sacoche. Dis mon sac. Mon sac. Mon sac. Mon sac. Mon sac. Mon sac. C'est sous la gloire. C'est sous la gloire. Que je te tiens. Que je te tiens. Dans la gloire. Dans la gloire. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Dans la gloire. Dans la gloire. Le temps n'interfère pas. Le temps n'interfère pas. Alors tu as été placé chez moi. Tu as été placé chez moi. Pour contenir. Pour contenir. Les millions. Les millions. Les milliards. Les milliards. L'or. L'or. L'argent. L'argent. Les diamants. Le diamant. Toutes les richesses du Congo. Toutes les richesses du sont contenues dans mon sac. Sont contenues dans au mon sac. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Deuxième acte que tu vas faire. Yami baloko sac. Prends ton sac. Sois sacoche na yo. Cours partout où tu veux. Kima sikanyo soli. Cours partout où tu veux. Kima kima sikanyo soli. Parce que Dieu te disperse. Kima kima sikanyo. Dieu te disperse. Kima kima sikanyo. Dieu t'envoie. Nzamba zotina yo. Dieu t'envoie. Nzamba tindi yo. Avec les finances. Nami solo. Qu'il met dans ta poche. Oyatena mabenga na yo. Avec les richesses. La richesse. Qu'il met dans ta poche. Oyatena mabenga na yo. Ce soir. Nampoko alelo. Tous les contrats bloqués. Ba contrat nyo sont libérés. Ce soir, tous ceux là qui vous devez, ils vont vous retourner. Voilà, voilà la nation où Dieu te veut. Alléluia. Parle à la nation où Dieu te veut. Si c'est l'Europe, monte en Europe. Possède toutes les nations de l'Europe. Parce que ce soir, il y a des décrets qui sont signés. Ce soir, il y a des lettres d'émission qui sont données. Ce soir, il y a les changements de statut. Ce soir, la puissance de Dieu est sur toi. Ce soir, la faveur de Dieu pour que tu engendres est sur toi. Si c'est dans les fonds du Congo, entre dans les fonds du Congo. Possède, parce que Dieu te donne. Parce que Dieu te donne. L'Esprit de Dieu est en ces lieux. Il appelle à l'existence les choses que nous déclarons à ces lieux. Plus jamais tu vas mentir. Plus jamais tu vas commander. Plus jamais des enfants vont manquer. Les choses s'accomplissent. Déclare. Déclare. Parle à la situation. Parce que ce soir, les choses ont passé de niveau. Les choses ont changé de niveau. Nous n'avons plus à crier. Nous n'avons plus à pleurer. Dieu a tout accompli. Et il s'est tout accompli. Il n'y aura pas de pauvres à l'autre côté. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, je vais te dire logosrem. Si qu'on a voyé ce mot logosrem. Puisque tu as cru dans cette parole. Le colonel dit loba oyo. Tu as déclaré cette parole. O tatoli loba ngo. Je viens te dire. Na yeko yebisa yo. Reste fidèle. Obéissant à la parole. Parce que les ambassades de la République du Congo, ambassade à la République, Dieu te les donne. Dieu te les donne. Si tu vas dans une ambassade, aucune ambassade et qu'on ne te donne pas un visa, tiens-toi debout. Tellement. Déclare la parole. Le visa te sera donné. Parce que c'est dans la gloire. Amen. Que Dieu te donne d'opérer. Amen. Et non pas dans les choses de la terre. Amen. Tu commanderas. Amen. Et cela te sera accordé. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé. Bon ami. Il y a des gens qui ont des maladies en ces lieux. Et d'autres qui ne savent pas qu'ils sont malades. Mais le poids de la gloire qui est en ces lieux. Hey! Le poids de la gloire qui est en ces lieux. Feu de Dieu. Feu de l'Esprit. Descends. Consume. Toute maladie. Maladie à la racine. Si au nom de
Yes. Ce soir, je viens dire à quelqu'un. Dieu m'a fait la promesse. Il ne va pas seulement guérir. S'il y a des organes abîmés, Dieu les remplace. Dieu le remplace. Dieu le remplace. Dieu le remplace. Il y a des organes nouveaux. Si tu ne pouvais pas bouger, bouge. Parce que Dieu est occupé à remplacer les choses que la médecine ne peut pas réaliser. Si tu le crois, saute. Si tu le crois, saute. Si tu le crois, saute. Que nous sommes dans la gloire. Yes. Nous sommes dans la gloire. Yes. Le temps s'arrête. Yes. Le temps s'arrête. Yes. Et les choses commencent à prendre. Yes. Commencent à émerger. Mata. Wow, Shakabata Kaché. Sosa Kaché. Rogasé de la. Je viens dire à quelqu'un. N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Est-ce que tu peux taper 3-4 personnes là-bas? Dis-moi quand vous êtes venu. Viens nous entraîner. Parce que bientôt là, nous sortirons avec les noms de l'Éternel. Non pas pour dialoguer, mais pour donner les ordres. Pour donner les ordres. Si tu le crois, dis je le crois. Je le crois. Je le reçois. Je le reçois. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, papa Bijon, je marche avec assurance. Dans un temps, on a dit que la vie n'a qui m'a commencé. Yes! Oh, tous les là, et ça marche en différent. Marche à 3 points. Et si et ça la même. Et ça 3 points. Awa! Yes! Tout est accompli. Tout est accompli. Et coquille ça. Alléluia! Ma camoufle, ceci est salini. Sopra, qu'est-ce que c'est bra? Et sili. Vous savez pourquoi? Oui, mais pour Nanine. Waouh! Pourquoi Dieu nous a donné la foi? Parce que la foi, partout où elle se trouve, elle a des appétits. Yes! Alléluia! La foi a des appétits. Vous voyez, ma petite n'est pas sali. Les impossibilités. Les impossibilités. Les impossibilités. Les impossibilités. Qui a des impossibilités dans la vie? Qui a la foi ce soir? C'est que le plat, la table est bien garnie. Yes. Et comme la table est bien garnie. Alléluia. Dans la bas impossibilité. Alléluia. Banda collier en haut. Alléluia. Banda collier en haut. Banda collier en haut. Parce que ton Alléluia. Problème a déjà été résolu. Yes. Dieu dit, il dresse une table. Attendu en face des adversaires, de tes adversaires. Et pendant qu'il met la table, il y a une possibilité. Il y a une possibilité. Bouge. Le solution. Yaka. Boulot. Moussala. Va. Kende kuna. Mariage. Libala. Va. Kende kuna. Les enfants. Bana. Partez. Bokotamakuna. Misolo. Bongo. Partez. Kende kuna. Le monde. Bokiri. Soyez libérés. Par la puissance de Jésus. Ça c'est vrai ça. Vous savez. Oyebi. Lorsque tu as la foi. Dangoza na kondima. Tu ne cherches pas que les choses soient bien. Quand les choses s'abîment, ce que j'ai appris le soir, je vais pleurer. L'esprit me dit ne pleure pas. Aujourd'hui, regarde la situation. Et parle à la situation. Et quand je regardais la situation, j'ai dit vraiment, Nani Atindi yo. Vraiment. Non mais qui connaît là?
À l'obi, si tu pleures, tu es un lâche. Mais ne pleure pas. Saint terrain. Porte le bouclier de la foi. Lève-toi. Avance. Regarde la situation en face. Dis-lui-toi situation. Tu es venu pour que je monte des niveaux. Alors je n'ai pas peur de toi. Ta place est sous mes pieds. Et puisque ta place est sous mes pieds, je monte sur toi. Et quand je monte sur lui, il attendait ce que je pleure. Il attendait ce que je me plaigne. Au contraire, il entend seulement. Tu es le Dieu de gloire. Pendant que je commence à adorer, bien aimé, l'atmosphère a changé. Et quand l'atmosphère a changé, Dieu me dit, puisque tu as vaincu cette situation, maintenant lève-toi, prends autorité, afin que la journée d'aujourd'hui soit sous tes pieds. Et j'ai pris la journée, je l'ai mis sur mes pieds. C'est pour cela que je te parle, non pas pour des choses que tu vas demander, mais des choses que tu dois posséder. Tout ce qui est à toi, récupère. Tout ce qui est à toi, soignons. Récupère. Soignons. Est-ce que c'est le mari? Soyez. Récupère le mari. C'est les enfants? Soyez. Récupère les enfants. Parce que Dieu a déjà donné l'ordre pour que ces choses soient soumises au nom de Jésus. Yes. Est-ce que tu peux un peu acclamer le roi de Dieu? Yes. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur te me dit, la génération que je suscite. Et que comme on a bimé ici. Je lui donnerai la même force que je t'ai donnée. Si tu ne dis pas amen, c'est toi. La génération que je t'ai donnée. Et qu'on a pensé na yo. Je lui donne la force que je t'ai donnée. Bien aimé. Balingami. La force que Dieu repose en nous. Ma kasion zamba vani si katrabiso. Yes. Alléluia. C'est une force. Ezama kasi. Que rien ne peut briser. Oye lokote koko kwesi. Même quand on passe qu'on t'a brisé. Tata babandi ke bakwesi. Et donc il se retourne. Tango babaluki. Aussi au télé. Au télé milokola nzeta mbila. Yes. Alors quand tu te lèves, et quand tu commences à taper les mains, les ennemis commencent à détaler. Parce que tu es en train d'élever le roi. Et quand tu élèves le roi, la gloire descend et te couvre. Que l'esprit me donne. La promesse a été donnée, n'est-ce pas? Et cette promesse qui t'a été donnée est une semence. Yes. Et cette semence, c'est où que Yokebed avait mis ça? Sur le fleuve. Et qui était en train de veiller sur ça? Le prophète était en train de veiller. Pourquoi il veillait? Il attendait que la parole soit libérée. Yes. Il attendait que la parole soit libérée. Et là où la parole est libérée, et si la semence éclore.
Nkona ebotamaka. Maintenant je vais te dire. Yo kanga malam. Quand Dieu créait la terre. Tangu nzamba zokela mokili. Qui était sur la terre? Nana zakili kola mokili. Le Saint-Esprit. Molimo mosante. Alléluia. Et la Bible dit. Bible lo bibuli. Le Saint-Esprit planait sur la terre. Molimo mosante bande kote palikola mokili. Et la terre n'avait pas de forme. Ma belle ezanga kilolenge. Elle était informe. Ezanga kilolenge. Sans vie. Mais l'esprit faisait quoi? Mouvait. Il watchait. L'esprit mouvait. Il veillait. Il veillait. Il veillait. Parce que la semence était en train de couler. Et la terre n'avait pas de forme jusqu'à ce que il s'est écrié: faisons-le à notre image et à sa ressemblance. Et qu'est-ce que l'Esprit a fait? L'Esprit est venu. Il est entré. Et la Bible dit: cette âme est devenue une âme vivante. Ça veut dire en d'autres termes, j'ai pris que le Saint-Esprit t'explique. Ce ne sont pas des choses qu'on apprend à l'école, mais c'est la révélation que Dieu apporte dans le cœur. Et quand l'Esprit est entré, les choses ont changé. Et comme les choses ont changé, cet homme, Dieu a la capacité de la même sémence pour que lui aussi à son tour qu'elle apprenne à libérer cette semence, pour que la semence soit sous surveillance. Et j'aimerais te dire ce soir, toutes les semences que vous avez reçues qui sont contenus en vous, l'Esprit est en train de planer attendant que vous libérez la parole. Amen. Yes. Oh, il y a théologie, oh, il y a classe. Oh, il y a Saint-Esprit. Oh, a alors, j'aimerais te dire ce soir, oh, la sémence Kona a déjà atteint l'âge. Et c'est comme elle. Et Dieu te dit, Nzambala binangai, tu dois libérer la parole. Et c'est que le parce que l'Esprit est là. Bamba temoli mwazali pour donner vie à cette sémence. Bona kopesa bon moi. Et les choses auxquelles tu t'attends vont répondre à ta parole. Parce que moi Dieu, je veille afin que cela s'accomplisse. Si tu le crois, dis alléluia. 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 Maintenant voilà ce que nous allons faire. La RDC. RDC est une bénédiction pour nous ou pas? Et ça pas bon pour la bisotote. Oui. Les richesses dont tu as besoin se trouvent où c'est? Dans la RDC. Et ça dans la carte à RDC. Maintenant Dieu me dit. Nzamba lobiboy. Parle à mon peuple. Lobela libota nangai. Le mot du go est déjà libéré. Oya likolo se fomami. Le go est déjà libéré. Qui on est mon mami. Peuple s'élève. Libota nangai tellement. Et qu'il prenne la RDC. Bazwa RDC. Parle sous la RDC. L'obéla RDC. Parce que mon esprit est là. Pour te monter mon anglais, salut Anna. De la guerre, de chasser l'ennemi et de te donner la terre. Amen. Yes. Et ce soir, Dieu me dit. N'importe quoi, le Nzambala binangai. Je vous donne la RDC. Na pesibino RDC. Je vous donne la RDC. Na pesibino RDC. Elle est pour vous une semence. Ezapona binokona. Qui contient tout ce dont vous avez besoin. Ezana onyonso zana ngobo sena. Et Dieu vous a suscité pour ce don. Nzamba se que suis afin que vous ordonniez. Et pète mon pesa mitine. À tous les esprits qui retiennent la RDC. Na mini monyonso ezako sima RDC. Pendant que nous parlons. J'aimerais te dire, l'onction de Dieu sur toi, il va nous introduire dans toutes les institutions. Et qu'on s'abîme dans les institutions de la République. Alléluia. Qui est prêt, qui croit à ce message? Qu'on dans les institutions de la République. Retiens la date d'aujourd'hui. Kanga mokolo ya lelo. Puisque tu es entré dans la gloire. Loko loko tikati na kembo.
et que l'Esprit de Dieu repose sur toi. Ton intelligence est renouvelée. Tu vas prendre la RDC. Nous allons aller à l'Est. Nous allons interdire à tous ceux-là qui s'amusent avec cette partie de la route. Dosons la gloire pour ordonner les choses et les voir s'accomplir. Nous allons nous adresser à la RDC. Et tous les ennemis de la RDC. Dieu va leur faire essuyer l'échec. Et personne ne tiendra devant la RDC. Et pendant que nous sommes en train de parler, les anges sont déjà déployés à l'est. Yes. Bien-aimé, alléluia. Tu es enceinte de la RDC. Et j'aimerais te dire, les anges nous ont déjà précédés. Et nous allons parler. Et je vais appeler les hommes de Dieu. Ils vont toucher les drapeaux de la RDC. Et toi et moi, nous allons tendre le mât sur la RDC. Et nous allons récupérer toutes les provinces. Parce que à notre parole, les provinces vont se soumettre. Yes. Nous nous adressons aux principautés, aux dominations, aux autorités. Maintenant, au nom de Jésus. Que le bishop et le pasteur touchent les pieds. Bishop n'a pas pasteur, voici ma bendele à Congo. Ce soir, ton pays est en train de sortir du gouffre. Para que ça t'abre. Ce soir, Roga Sambare, Laga Santa. Alléluia. Et dans tes mains bien-aimées, on est fatigué de condamner. On est fatigué de juger. Mais aujourd'hui, nous venons mettre un terme à la situation que connaît notre nation. Pendant ce temps, bien-aimé, parle à la RDC. Adresse-toi aux provinces de la RDC. Adresse-toi aux richesses de la RDC. Et pendant ce temps, la louange monte. Nous élevons Jésus sur la RDC. Nous élevons Jésus sur la RDC. Élève-toi, Seigneur.
calme un petit moment, il se passe quelque chose de terrible à partir des cieux. Ce pays que les prophètes ont vu, traversé par des rivières, dont les habitants sont vaillants et forts. Ce pays où Dieu a placé toutes sortes de richesses. Dans ses airs, dans son sol, dans son sous-sol. Dans ses faunes et flores. Ce géant au cœur de l'Afrique, Dieu le ressuscite aujourd'hui. Et il met fin à toute guerre, yes. Et il apporte la paix. Alléluia. Son étoile brille. Alléluia. Son feu s'enflamme. Yes. Ses habitants et même les étrangers qui viennent vivre dans la paix. Amen. Et ses richesses commencent à animer, à vivre partout et dans l'église. Et Dieu suscite ses enfants pour animer ses institutions, tant visible qu'invisible, et il va jouer son rôle de géant pour bénir le monde à partir de l'Afrique jusqu'à l'extérieur. Cette grâce est déclarée et cette gloire se manifeste et le peuple de Dieu l'acclame en disant Amen. Amen. Acclame le roi. Acclame très fort, il s'est passé quelque chose. C'est la victoire. Acclame et pousse très fort. Remercie Dieu pour ce qu'il a fait. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Dis yes. Bien aimé. Balingami. Si pour dire, le cas de notre pays est déjà dans la présence de Dieu. Il est déjà écouté ce message. Si j'aurais bien voulu, Shalom, j'aurais bien voulu que d'aucuns voient cette photo. C'est la carte géographique du Congo. Qui est au centre de la synagogue de Capernaum. On a dû arranger le temple. Sauf là où le maître se tenait chaque fois qu'il devait parler. Et il y a une photo, c'est seulement la photo qui parle. C'est la carte géographique du Congo. Qui est au centre du monde. Le maître connaît ce pays. Tata ayebimboko. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on ne peut pas se lever et acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on ne peut pas se lever et acclamer le roi des rois? Ton pays est au centre du cœur de Dieu. Là où Jésus se tenait pour parler. C'est la carte du Congo. Et le cas du Congo est en permanence devant la face de Dieu. Yes, amen. Et ce soir, Dieu te dit, et toi et ta nation, votre situation est accomplie. Amen. Tous les ennemis de ta nation, amen, deviennent les ennemis de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui s'élèvent contre toi, Congo, il va rencontrer Dieu sur son chemin. Tout celui qui va s'élever contre ta famille, Dieu s'élève devant lui. Tes ennemis ne tiendront pas devant le Congo parce que tu es mis en réserve par Dieu. Tu es une réserve de Dieu pour le temps de la fin. Et j'aimerais te dire, ce temps de la fin, c'est maintenant et non demain. Et puisque c'est maintenant, Dieu est venu susciter des prophètes dans cette terre. Yes. Bien aimé, ce soir est particulier. Pourquoi le réserve au Kesseni?
Si ça t'ennuie, je prie que l'Esprit de Dieu te visite. Parce qu'il y a des grandes choses qui sont en train de chuter. Il y a des grandes décisions qui sont en train d'être prises. Parce que Dieu a passé des niveaux. Il n'est plus resté au niveau des individus. Mais Dieu est monté au niveau des nations. Et parce que Dieu est passé au niveau des nations, il fait que toi aussi tu passes au niveau des nations. Parce que l'onction et la gloire que Dieu te donne n'est plus seulement pour répondre à tes propres besoins. Parce que tes besoins, Dieu prend soin d'eux. Mais Dieu te dit ce soir, la gloire que je descends sur toi, c'est une gloire qui va embrasser les nations avec des prophètes, avec des apôtres. Les deux dons, les apôtres et les prophètes. Et ce soir, je viens dire, ce prophète-là, c'est toi. Je viens dire, cet apôtre-là, c'est toi. Parce que Dieu te donne la mission d'aller de par les nations, de proclamer le royaume de Dieu. Car le temps est proche. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Que tous ceux qui dorment, réveillez-vous. Jésus revient bientôt. Adore le roi. Adore le roi. Parce que les prophètes sont en train d'être touchés maintenant. Les prophètes sont en train d'être touchés maintenant. Les apôtres sont en train d'être touchés maintenant. Dieu a dépassé des niveaux bien-aimés. Dieu te prend à un niveau plus élevé aujourd'hui. Il a dit tout ce temps, je me suis occupé de toi. Maintenant que ta situation est réglée, garde la foi. Parce que je t'envoie dans les nations. Je t'envoie dans les nations. Pendant que nous serons en train d'adorer, si tu sens ton ventre touché, si tu vends ton cœur battre, sache que tu es cet homme-là. Sache que tu es ce prophète-là. Que Dieu est en train de susciter. Que Dieu est en train de susciter. Ne reste pas là où tu es. Le temps est grave. Dieu a décidé de changer les choses. Si tu es là, oh mes femmes, si ton cœur tremble, ne reste pas. C'est pour toi que Dieu a envoyé cette onction ce soir. C'est pour toi. Là où tu es, lève-toi, avance. Parce que les prophètes sont en train d'être ressuscités ce soir. Yes. On adore, on adore. Et l'Esprit de Dieu s'élève. Yes, yes. Le poids de la gloire, il est grand. Le poids de la gloire est grand. Tu es celui que Dieu a suscité pour ce temps. Là où tu es, Dieu te dit, je t'ai fait prophète des nations. Oh merci Jésus. Oh Shakamana Sata. Oh Shekema Mama Yesa. Oh Jésus. Jésus.
J'aimerais que vous puissiez comprendre ce moment. C'est un moment important. Dieu a commencé à me parler depuis qu'on parle de génération. En réalité, ce qu'il faut comprendre par génération, c'est quelque chose qui dépasse la compréhension physique. Évidemment, Dieu suscite des jeunes. Mais ce qu'il faut comprendre par génération, c'est une nouvelle race. Une nouvelle race de serviteurs à qui Dieu va révéler des choses nouvelles. Une nouvelle compréhension de leur mission. Et que Dieu va envoyer. Donc tu peux être là. Tu es apôtre. Tu es serviteur. Tu es prophète. Tu es pasteur. Tu es évangéliste. Tu es fidèle simple. Mais c'est un appel nouveau que Dieu lance. Si tu sens quelque chose dans ton cœur, eh bien, sache que Dieu veut justement te renouveler. Sache que Dieu veut te renouveler. Pour un nouveau départ. Alors tu peux t'avancer aussi. Parce que tu as besoin de ce toucher spécial. Tu as besoin que Dieu clarifie ta mission. Quel que soit ce que tu fais, quelle que soit ton onction, il s'agit de quelque chose de complètement nouveau. De complètement nouveau. Un ministère nouveau. Une mission nouvelle. Et Tinda Yasika. Sana, Molimo. Molimo, Dazo Sala.